caisse de retraite de la RATP a pour mission de liquider les retraites des agents de la RATP et de leur servir donc leur pension. C'est avant tout une mission de service public. La CRP-RATP a été créée suite à un décret de 2006 qui a retiré le service des pensions à la RATP pour la créer au sein de la caisse de retraite RATP. C'est avant tout transformer un service d'entreprise en un organisme de sécurité sociale à part entière. La transformation du service de la RATP en caisse de retraite avait pour but essentiel de faire apparaître clairement ce qu'il en était du régime de retraite des agents de la RATP. Le souvenir que je garde de la création de la caisse, c'est des locaux vides dans lesquels il fallait faire habiter une quarantaine de personnes qui viendraient travailler là. La création de la caisse avec la mise en place a été un petit peu compliquée au départ, mais globalement, j'en garde quand même un bon souvenir. Plein de souvenirs, pourrais-je dire, et je pense que vous aurez des réponses un peu diverses sur ce point. Un travail d'équipe, avant tout. La gestion électronique des données, qu'on appelle plus communément la GED, c'est pour nous un archivage de l'ensemble des informations qui rentrent à la caisse et qui en sortent. C'est la numérisation des documents qui sont accessibles via le poste de travail. Donc, scanner le courrier qui arrive et le diffuser auprès de tous les agents. Les différentes étapes ont consisté à passer deux appels d'offres, l'un pour établir le cahier des charges, recueillir les besoins, et le second pour choisir le logiciel et le présenter au personnel afin de le faire accepter par tout le monde. C'est une grande révolution puisqu'on travaillait sur du papier et désormais on est en dématérialisé complet. Alors, l'évolution de la gestion électronique de documents a permis de peaufiner, d'améliorer ce que nous avions prévu au départ en fonction des besoins de chacun. Parce que chacun avait sa perception des choses et il fallait tenir compte un petit peu de chaque individu pour arriver à un travail collectif. On a affiné son utilisation, dirons-nous. Comme tout changement, il y a eu des craintes, mais pas vraiment de freins. Contrairement à ce que l'on pouvait redouter, le personnel était très content de savoir qu'il aurait accès aux documents de façon beaucoup plus aisée que de devoir chercher des papiers qui peuvent parfois être dispersés. Le tout a été de bien accompagner le changement. La convention d'objectifs de gestion, c'est le document stratégique qui lie l'État et la caisse de retraite et qui fixe les objectifs de gestion pour les 3 années qui viennent avec les moyens qui vont avec. Les grands axes de la convention d'objectifs et de gestion actuelle de la CRP-RATP tournent autour de la qualité de service à rendre aux affiliés, de la pérennité de la caisse et de son système d'information. La satisfaction de l'affilié est quelque chose de très important pour l'ensemble du personnel de la caisse et on y travaille régulièrement à améliorer justement ce taux de satisfaction avec la mise en place de nouveaux outils. La caisse gère environ 90 000 affiliés, dont plus de la moitié qui représentent nos pensionnés. Les affiliés, ils ont deux profils. Ils sont soit actifs ou ont été actifs dans l'entreprise RATP, soit ils sont retraités. Donc la caisse leur verse une pension. Pour les affiliés, on a mis en place donc, le site web de la CRP-RATP qui leur permet donc, d'aller chercher les informations dont ils ont besoin. Nous avons mis en place pour nous et pour les affiliés donc, la GED depuis 2009, qui a été, entre parenthèses, remplacée par la GRC, la gestion en relations clients, qui nous facilite notre travail au quotidien et qui répond plus vite et plus efficacement aux besoins des affiliés. Chez nous, l'accès à l'information, c'est très simple. Notre site est mis à jour régulièrement. Nous prenons contact avec vous à travers nos newsletters. Vous pouvez également prendre rendez-vous physique avec nos conseillers ou nous contacter par téléphone. Le grand chantier en matière de gestion de l'affilié, moi je dirais, c'est la refonte du système d'information. La première étape de mise en place du système d'information est l'acquisition de notre indépendance par rapport au système d'information de la RATP. La deuxième étape a été d'instaurer une gouvernance stratégique des systèmes d'information avec l'élaboration d'un schéma directeur. La troisième étape a été de consolider et optimiser les principes directeurs qui avaient été édictés précédemment. Le plus grand défi technique a été double. C'est celui pour les équipes d'exploitation de mettre en place une infrastructure autonome et sécurisée dans un système ouvert alors qu'il était fermé.
Le deuxième défi technique a été pour le service études et développement la réécriture du calcul de droit à pension lors de la mise en place de la réforme 2008. Il y a eu trois grandes avancées durant ces 10 ans. La première avancée, c'est celle de la mise en œuvre d'une gestion électronique de documents qui consiste à dématérialiser les dossiers des affiliés. La deuxième avancée, c'est celle de la mise en place de portails web avec la mise à disposition d'espaces sécurisés et personnalisés. La troisième avancée pour la CRP et RATP a été de mettre en place une gestion de relations aux affiliés. Ça consiste à mettre en place une application qui permet d'unifier tous les canaux d'échange. Les défis pour demain, c'est l'accompagnement au changement des équipes de la CRP RATP. En matière de développement durable, la Caisse a beaucoup fait et continue à faire. On fait le tri, il n'y a plus de poubelles. Ça, c'est une très bonne chose. Et on évite déjà d'utiliser donc, les gobelets en plastique. On a demandé à chacun des collaborateurs d'apporter sa tasse, par exemple. On a dématérialisé au maximum. On évite d'imprimer. On n'imprime que si besoin. Alors, les grandes avancées sociales, dans un premier temps, je dirais que c'est l'intéressement. Et dans un deuxième temps, les œuvres sociales, ce qui permet de donner plus d'avantages aux salariés. La diversité au sein de la Caisse est une réalité. Il y a beaucoup de jeunes, des moins jeunes, il y a un mixte au niveau des cultures. C'est un très bon état d'esprit. Au niveau formation, la CRP RATP, c'est plutôt pas mal. J'en suis la preuve vivante puisque l'année dernière, j'ai pu effectuer, grâce au plan de formation, un Master 2 en conduite de projet informatique que j'ai eu. L'enjeu du futur, c'est de maintenir la pérennité de cette caisse en tant qu'organisme de sécurité sociale nationale. Les grands défis du futur pour la CRP RATP continuent à construire, à s'ouvrir. Pour moi, les grands défis du futur, c'est de s'adapter perpétuellement, d'offrir des services nouveaux éventuellement, et toujours de garder le cap de la cohésion d'une équipe qui travaille ensemble. Le bilan est très positif pour les affiliés, pour les agents et pour moi-même. Si je devais définir la Caisse en un mot, je dirais petite structure avec de grands projets. Je dirais qu'elle est efficace. La Caisse est une belle aventure faite par les hommes qui la composent. La Caisse est une caisse dynamique et tournée vers l'avenir. En un mot, je dirais que la Caisse est une caisse moderne. En un mot, je ne pourrais pas le dire.